8 septembre 1940, Montignac, un village au bord de la Vézère, en Dordogne. Marcel Ravida, 17 ans, apprenti dans un garage, se promène sur une colline près du lieu-dit Lascaux. Il descend dans un creux encombré de ronces. Au fond de ce creux, provoqué jadis par la chute d'un arbre, un trou où une pierre roule et résonne. 12 septembre, Ravida revient avec une lampe rustique. Il entraîne avec lui trois amis, Jacques Marsal, Georges Agnel et Simon Coacas. Ils agrandissent le trou. Ravida pénètre le premier, glisse sur un éboulis et se retrouve dans une grande cavité. Arrivés au fond de la première salle, les quatre jeunes gens découvrent des peintures sur les parois. Après quelques jours de secret, les découvreurs décident de prévenir leur ancien maître d'école, Léon Laval, qui descend à son tour dans le trou. L'abbé Breuil, le plus célèbre des préhistoriens français, est alors réfugié à Brive, non loin de Montignac. Il visite la grotte neuf jours après sa découverte. La guerre à peine terminée, films, photographies et livres rendront célèbre la cavité qui désormais s'appelle Lascaux. Maurice Taon, sous la direction de Breuil, commence l'étude des parois. L'abbé Glory poursuivra les fouilles ainsi que le relevé des peintures et des gravures. Mais la grotte est surtout aménagée pour la circulation des touristes qui affluent par milliers. Et la couche archéologique est piétinée, pillée et bousculée. Le système de renouvellement de l'air et les visiteurs introduisent spores et bactéries. Stimulés par l'éclairage et le gaz carbonique, les algues vertes envahissent les parois. En outre, des cristaux de calcite blanche se forment sur les peintures. En 1963, la grotte est fermée au public, puis traitée avec succès contre la maladie verte et contre la maladie blanche. Vingt ans plus tard, un facsimile souterrain est inauguré à proximité. Il y a 35 000 ans, au moment d'une des dernières glaciations, l'homme de Cro-Magnon, l'espèce humaine moderne, apparaît en Europe occidentale et supplante peu à peu l'homme de Néandertal. Comme Néandertal, il pratique des rituels funéraires. Les glaces polaires couvrent une partie de l'Europe du Nord. Le climat de la vallée de la Vézère est proche de celui des pays de steppe froide ou de toundra actuelle. Les hommes ne peuvent survivre que par un apport constant en viande, donc grâce à la chasse et à la pêche, complété en été par la cueillette de divers végétaux. Les abris sous roches au pied des falaises ensoleillées, ont été occupés pendant des millénaires. La succession des sols d'habitat a permis de définir plusieurs cultures nommées d'après les sites de découverte, l'orignacien qui commence vers moins 33 000 avant le présent, le gravettien vers moins 27 000, le solutréen vers moins 22 000. Le site de la Madeleine a donné son nom à la dernière culture paléolithique, la culture magdalénienne, qui s'épanouit à partir de moins 18 000 et s'éteint vers moins 10 000. La datation des fragments de charbon de bois de Lascaux par le carbone 14 avait donné entre autres deux groupes de chiffres, autour de moins 17 200 et autour de moins 15 500 avant le présent. La grotte relèverait ainsi du Magdalénien ancien et aurait donc pu être fréquentée pendant 1700 ans. Des considérations stylistiques incitent les chercheurs à reculer encore la date des premières peintures et à attribuer donc la grotte à la phase finale du solutréen. Les traces d'un art pariétal profond sont cantonnées à quelques zones. Vallée de la Vézère ou de la Dordogne, Quercy, Basse-Vallée de l'Ardèche, Pyrénées, Côte Cantabrique. Toutes ces régions situées à la pointe de l'Europe occidentale ont en commun de posséder de nombreuses cavités liées au système karstique. Le gel entamé des zones de calcaire plus fragiles. Creusant de larges abris. Des écailles se détachent des voûtes, les surplombs peu à peu fissurés s'effondrent et le mécanisme continue. Les grottes, elles, ont été provoquées par l'infiltration des eaux dans les fissures du plateau. Les eaux dissolvent le calcaire, formant peu à peu ruisseaux ou rivières souterraines. Ces galeries, aujourd'hui asséchées, ont souvent un profil en trou de serrure. Le calcaire dissous se recristallise sous forme de calcite. À Lascaux, une couche de marne argileuse a protégé la voûte contre la formation des stalactites ou des draperies habituelles. Et de la calcite s'est déposée sur plusieurs parois, mais de façon régulière. Très blanche, elle forme de petites excroissances donnant un relief dit en Comme les abris, les porches des cavernes s'effondrent. L'érosion a continué pendant des millénaires. Les sédiments ont peu à peu bouché l'ouverture. C'est ce colmatage qui a préservé la caverne. Les découvreurs de 1940 ont pénétré en fait très près de l'ancienne entrée. La grotte se compose d'un ensemble ramifié de galeries dont la longueur totale ne dépasse pas 250 mètres. Ces galeries sont elles-mêmes découpées en plusieurs espaces bien distincts. La salle des taureaux est une rotonde ovale de 6 à 9 mètres de large et de près de 20 mètres de long. Sa voûte culmine à 5 mètres. Une paroi régulière très inclinée et couverte de calcite blanche court tout autour. Quelques écailles sont tombées, mettant à nu le calcaire jaune. Au moins quatre grands taureaux sont visibles. Leur taille va croissant. Le dernier animal fait plus de 5 mètres de long. Des chevaux, des cerfs, des bovinés, des cygnes et un étrange animal surnommé la licorne. Au fond de la salle des taureaux s'ouvre le diverticule axial. couloir en pente douce assez étroit au sol, souvent moins d'un mètre, il s'évase vers le haut, 2,50 m à 3,50 m de large pour la partie décorée. Le plafond est à près de 4 m du sol. À l'entrée, à gauche, une vache. À droite, un cerf incomplet. Trois grandes vaches rouges. Des chevaux surnommés les chevaux chinois. Des signes. Après un rétrécissement, sur la paroi de droite, une vache noire. Une suite de cinq petits chevaux surnommés les poneys. Une tête de taureau. Sur la paroi de gauche, un taureau de plus de trois mètres de long avec deux silhouettes de vaches rouges. Un grand cheval rouge s'éloigne vers le fond. Des pouquetins affrontés séparés par un grand signe. Le diverticule axial s'achève par un faux pilier. Des signes et des fragments de chevaux. Un cheval renversé. Au-delà, un méandre, bas et étroit, prolonge encore de quelques mètres la galerie. Sur une paroi, un bison rouge et deux chevaux. À droite, dans la salle des taureaux, s'ouvre une galerie d'une quinzaine de mètres de longueur et large de 2 à 4 mètres. Ce couloir est formé par la succession de cinq conques. Il a subi pendant des millénaires une corrosion due à l'humidité des courants d'air qui soufflaient vers la sortie de la grotte. Le passage devait être entièrement peint et gravé. Il est encore décoré de près de 200 gravures, chevaux, bovinés, bouquetins et cygnes. Le passage débouche dans la nef, une vaste salle de 5 mètres de large, descendant avec une forte pente sur une vingtaine de mètres. Sur la paroi de gauche, à l'angle du passage et de la nef, un petit cheval gravé. Une frise montre sept têtes de bouquetin et une tête de biche. Sur un panneau, un bison, cinq chevaux et des chevaux esquissés. Plus loin, une grande vache noire et une vingtaine de petits chevaux en fil. Tous ces animaux sont surchargés de traits gravés, soulignant les contours. Touchant les sabots de la vache, plusieurs signes quadrillés polychromes et gravés, les blasons. En face, la frise des En contrebas de la nef, les bisons croisés. La galerie qui prolonge la nef traverse ensuite une zone de calcite spongieuse, impossible à peindre ou à graver, puis se rétrécit en un boyau étroit et bas. Le diverticule des félins, long d'environ 25 mètres, est composé de plusieurs petites conques gravées. Le premier ensemble montre plusieurs félins, de nombreux tracés animaliers et des signes. Après un puits, il y a encore plusieurs figures dont un bison, l'alignement d'une croix et de trois bâtonnets, six points alignés deux par deux. Au débouché du passage, dans la nef, s'ouvre à droite une salle, l'abside large d'environ 5 mètres et en partie rempli d'un banc argileux épais de plusieurs mètres. Sur le plafond, deux chevaux face à face, un jaune, un rouge, traces d'autres peintures effacées elles aussi par la corrosion. Et partout, du sol au plafond, une grande quantité de figures superposées, plus de 1000 éléments graphiques dont 125 chevaux, 38 bovinets, 70 cervidés, 17 boukta et des signes très nombreux, on en a recensé près de 400. Au fond de l'abside, au-delà d'une fente du calcaire, s'ouvre le puits, profond de 5 mètres environ. En bas, un couloir étroit est fermé à une extrémité par un éboulis. Sur une paroi de ce couloir, la tête et l'encolure d'un cheval. Sur l'autre, un bison blessé, un homme qui tombe à la renverse, un bâton ou un signe surmonté d'une tête d'oiseau. Un rhinocéros, six points, alignés deux par deux. Plus d'une centaine de pierres plates, de taille moyenne, ont été retrouvées dans la grotte. Certaines avaient été creusées d'une cupule par pictage à l'aide d'un outil pointu. Ces pierres faisaient office de lampes, des petits blocs de graisse animale munis de fragments d'amadou ou de brindilles de genévrier, étaient allumés Les mèches imbibées de graisse liquide donnaient autant de lumière qu'une chantelle moderne. En outre, les peintres préhistoriques se sont éclairés à l'aide de simples feux à même le sol et de torches de résineux. Au cours des fouilles dans le puits fut découvert, enfoui dans l'argile, un brûloir en grès rose creusé, piqueté et poli. La cupule contenait des charbons d'un résineux identifié comme du genévrier. Pour décorer des panneaux situés à 3 ou 4 mètres de hauteur, les peintres ont pu céder de troncs d'arbres taillés en échelle. Dans le diverticule axial, plusieurs trous de la paroi et des vires de la corniche sont situés sur un même plan horizontal. Un échafaudage composé de quelques troncs scellés dans le rocher aurait donc permis à des peintres de se tenir debout et d'avoir ainsi accès aux parties hautes de la galerie. Le passage aujourd'hui creusé pour le cheminement des visiteurs ne pouvait alors se franchir que courbé. Les peintres ont dû y travailler ainsi. Pour la vache noire de la nef, ils ont pu se tenir sur la corniche par endroits assez larges. En face, de simples échelles de troncs pouvaient faciliter l'accès à la paroi élevée des cinq serres. Le diverticule des félins offre des panneaux très bas, tous accessibles à la main. Cependant, pour parvenir à son extrémité, il faut franchir un puits de plus de 4 mètres. C'est sur le bord de ce puits qu'a été découvert, enfoui sous quelques centimètres d'argile, un fragment de corde décomposée, faite de trois torons torsadés de fibres végétales. Cette pénétration des cavités jusque dans les trous et les boyaux les plus lointains est un des caractères les plus frappants des cultures paléolithiques. À la grotte des Combarelles, la galerie étroite où l'on ne pouvait progresser qu'en rampant a été décorée jusqu'à 250 mètres de l'entrée. Alors que les campements préhistoriques s'apparentent souvent à de véritables charniers, seuls quelques ossements d'animaux ont été retrouvés dans la grotte. Les peintres ou les usagers apportaient juste de quoi se nourrir pendant leur séjour souterrain. Viande de cerf, de sanglier, de cheval et surtout de renne. C'est l'animal le plus chassé dans la région. À partir du bois de renne, les hommes façonnaient des pointes de saguet Plusieurs de ces pointes ont été retrouvées dans la grotte. Le renne occupe une place centrale dans la vie quotidienne, mais, paradoxe, il est le seul animal qui ne soit pas représenté à Lascaux, à moins qu'on interprète comme un renne une gravure indistincte de l'abside. Les plus grands animaux de Lascaux sont des aurochs, la forme ancienne et sauvage de nos bœufs domestiques et de nos taureaux de corrida. Le dernier animal en liberté a été tué au début du XVIIe siècle en Pologne. Diverses souches ont depuis été plus ou moins reconstituées par croisement d'espèces domestiques. Le mâle était un animal puissant dont la hauteur au garrot pouvait dépasser les deux mètres. Les femelles plus petites avaient des têtes et des cornes beaucoup plus fines. Le bison était plus massif que son descendant moderne, le bison d'Europe. Son encornure était plus ample. La scène de la nef montre peut-être le défi des mâles à l'époque du rut au printemps. L'un des deux bisons est en train de muer, son pelage sombre d'hiver tombe en lambeaux, découvrant un pelage rougeâtre. Les deux animaux très proches se tournent le dos. La queue est dressée, signe de colère comme chez le bison blessé du puits ou chez plusieurs bisons gravés. Les chevaux, ou grands ou petits, abondent à l'Asco comme dans la plupart des grottes ou abris décorés. Plusieurs ont une robe à couleur en M avec l'abdomen plus clair, et souvent des traits d'épaule. Ces signes se retrouvent chez le cheval de prévalski un des rares chevaux sauvages préservés, grâce aux eaux et aux réserves naturelles. D'autres s'apparentent aux tarpan, cheval sauvage de la steppe ou aux membres longilignes. D'autres encore, aux poney. Un cheval broute. Un cheval se roule sur le sol. D'autres sautent ou se cabrent. Un cheval qui galope a les oreilles pointées vers l'avant, signe d'attention. Celui qui est renversé sur le dos a les oreilles rabattues, signe de crainte. Les images de serre sont nombreuses. Certains bois qui semblent exubérants ont été redoublés par les peintres, ramures à doubles andouillées, surendouillés et chevillures, ou parfois en peau très large. Dans le diverticule axial, deux bouquetins s'affrontent. Dans la nef, c'est une harde de vieux mâles en ligne. Un petit ours apparaît dans la ligne ventrale d'un des grands aurocs. Dans la partie la plus profonde de la grotte, deux panneaux rassemblent plusieurs félins. Oreilles rondes, mufles carrés, queues terminées en touffes, sans doute des lions des cavernes. L'un bondit peut-être. L'autre rugit, souffle ou crache du sang. Il émet un jet d'urine comme pour marquer son territoire. Comme son voisin, il porte un trait fléché. Dans le puits, un rhinocéros laineux. Il portait deux cornes. Il est représenté dans quelques autres grottes comme rouffignac ou combe d'arc. roc, bison, cheval, cerf, bouquetin, ours, lion, rhinocéros. Le bestiaire de Lascaux est commun à beaucoup d'autres grottes. Plusieurs pierres plates ou creuses, teintées en rouge ou en jaune, ont été aussi trouvées à Lascaux. Elles ont pu servir de mortier. D'autres ont été dégodées à poudre ou à peinture liquide. Une centaine de blocs colorants ont été récoltés dans la grotte. Certains montrent des traces du jus. Ils permettaient peut-être de dessiner sur les parois. D'autres étaient raclés à l'aide d'un silex et fournissaient ainsi des poudres colorées retrouvées en amas lors des premières explorations. Les oxydes de manganèse sont des minerais noirs parfois présents à l'état naturel dans les grottes. Utilisés sous forme de nodules, ils peuvent donner un trait noir assez gras. Les ocres sont des argiles teintées par des oxydes de fer en jaune ou en rouge. Il existait des gisements dans la région. Les ocres pouvaient être employés pour tanner les peaux et pour teindre les vêtements ou les objets domestiques. Peut-être aussi pour enduire les armes de chasse, pour le maquillage, la peinture corporelle ou le tatouage. Cette matière avait sans doute un rôle rituel. On la retrouve jusque dans les sépultures. L'ocre rouge a pu être assimilé symboliquement au sang, comme chez certains peuples aujourd'hui. Il n'y avait ni bleu ni vert. Le blanc, pourtant accessible parmi les argiles courantes, n'a pas été utilisé à l'Asco. La palette était limitée, mais les tonalités obtenues sont nombreuses. Les ocres jaunes donnent des tons allant du jaune pâle au brun vif. Des ocres rouges donnent des tons allant du rouge au violet. Le noir de manganèse, selon sa densité, donne des gris bruns, des gris métalliques ou des noirs très denses. Les figures sont souvent monochromes, mais nombre d'entre elles rassemblent deux couleurs jaune et noir, rouge et noir. Des figures quadrangulaires de la nef rassemblent les trois couleurs de la palette de Lascaux, jaune, rouge et noir. Dans la scène des bisons adossés, le bison de droite a d'abord été peint en rouge, puis ce rouge a été couvert de noir, ce qui lui donne une autre tonalité. Dans la salle des taureaux, ou le diverticule axial, les animaux se détachent sur un fond blanc éclatant ponctué du jaune vif des écailles du calcaire et au-dessus d'une strate brun-rouge. Malgré le petit nombre de couleurs utilisées, l'effet général est polychrome. Les lumières orange et rouge des torches et des lampes devaient rendre les noirs plus profonds tout en éclaircissant les rouges et les jaunes et en renforçant leur brillance. Chaque support a imposé une technique particulière. Dans l'abside et la nef, le calcaire est le plus souvent lisse et friable. De véritables dessins, comme la frise des serres, ont pu être tracés à l'aide de blocs d'oxyde de manganèse pour les quatre premières têtes, d'argile bistre pour la cinquième. Le dessin est effectué à partir d'un X central, véritable abstraction que l'on retrouve sur toute cette frise. Dans la salle des taureaux et le diverticule axial, plusieurs figures montrent des effets de couleurs et de dégradés très fins. Deux techniques permettent d'expliquer ces effets, le soufflé et le crachis. Récemment, le crachis était encore courant chez de nombreux peuples de chasseurs-collecteurs, comme les aborigènes australiens ou les boshimans du Kalahari. C'est ainsi qu'ont été obtenues les figures rupestres parmi les plus anciennes, comme les mains négatives. Pratiquée dans d'autres grottes, cette technique semble n'avoir été utilisée que très peu à Lascaux. Par exemple, tout au fond du diverticule axial, où les surfaces des figures rouges sont irrégulières. Le soufflet consiste à projeter le pigment sec sur la surface rocheuse à l'aide d'un os creux ou d'un roseau. La poudre est ainsi diffusée de façon bien plus régulière. La main ou divers objets plats, peau ou écorce, peuvent servir de pochoir afin d'obtenir des contours plus nets. Plusieurs ponctuations sont composées de petites plages soufflées. les bouquetins sont dessinés par la succession de semblables ponctuations mais jointives à l'aide de tampons de peau libre ou liés à des manches le peintre pouvait aussi imprimer sur la calcite des séries de petits ou de gros points le tampon a permis de composer les contours et les détails des grands rocs les points jointifs forment des traits les parties basses des silhouettes étaient achevées à l'aide du soufflet et du pinceau. Autre outil, en effet, le pinceau. Une touffe de crin ligaturée et emmanchée permettait d'étaler le pigment liquide préparé dans un godet. Ainsi ont été réalisés les contours des chevaux chinois ou les sabots des bisons croisés de la nef. Il y a parfois des réflexions. Les cornes du premier aurore de la rotonde, d'abord noires, ont été ensuite doublées de rouge, mais aucun élément ne permet de dire combien de temps après. Il y a aussi des repentirs. La ligne de poitrail d'une des vaches rouges a été reprise une seconde fois. Compte tenu des manipulations complexes et salissantes des peintres, tout le travail est très soigné. C'est comme si la paroi avait été entourée d'un respect sacré. Plusieurs centaines de silex taillés ont été retrouvés sur le sol de la grotte. Les outils montrent des traces d'usure. Le trait fin était obtenu à l'aide d'une pointe, la gravure plus large, en utilisant toute la largeur du silex et en repassant le trait plusieurs fois. Le trait incisé, en ôtant la patine, fait apparaître la roche sous-jacente plus claire. Associée à la peinture, la gravure n'avait pas la fonction d'un dessin de mise en place car elle n'intervenait que dans la phase finale. Elle cernait après coup les plages de couleurs, important à modeler à la peinture par effet de contraste. Parfois, la gravure vient ajouter à une peinture des détails délicats comme les yeux ou les naseaux. Ou encore, intervenant sur une surface peinte, elle produit une nouvelle forme à l'intérieur de la première. La gravure n'a pas été pratiquée que dans les grottes. Avec la peinture et la sculpture, elle témoigne d'un art qui s'est développé sur tous les supports. L'art mobilier, peu répandu à l'époque de Lascaux, connaîtra durant le Magdalénien supérieur un essor considérable. En pénétrant dans la grotte, les premiers visiteurs ont trouvé un volume très enveloppant à l'échelle humaine avec ses parois proches, ses grandes surfaces de calcite blanche, faciles à décorer, et ses couloirs. De nombreux animaux semblent se déplacer sur un sol imaginaire, délimité par les banquettes inférieures. De même, un cheval du diverticule semble courir sur la crête d'une sorte de falaise. Dans la nef, la corniche sert d'assise au troupeau. Diverses formations de la paroi ont parfois déclenché des formes animales. L'épaule et le bassin d'une des vaches rouges correspondent à des aplats et des reliefs de la paroi. Le cheval qui tombe s'enroule autour du faux pilier. La calcite blanche avait été parfois entamée par la chute d'écailles. Les peintres ont souvent intégré ces écailles dans leur composition. Entre les deux aurochs affrontés, des serres sont déclinées sous toutes les formes possibles. Le premier est complet, au deuxième ne manque que la tête, le troisième n'est plus qu'un avant-train et une ramure. Le quatrième est figuré par son seul corps. Deux écailles valent pour la ramure. Le cinquième n'est qu'une ramure et son corps est seulement évoqué par la grande écaille allongée. C'est pour le peintre comme si l'animal était déjà là en puissance dans les formes de la paroi. Depuis l'époque des peintres, d'autres écailles sont tombées, mutilant d'eux des auroques. Une grande plaque portant des traces de peinture était présente sur le sol au pied de la licorne au moment de la découverte. Elle a aujourd'hui perdu presque toute trace de couleur. Il est possible de la remettre en place grâce à une photo prise en 1948. Un petit cheval retrouve sa tête réapparaît aussi une grande tête peinte à la façon des aurocs voisins. De même, sur la paroi opposée, très corrodée, ne subsiste que la trace d'un sixième auroc qui, lui, était tourné vers l'entrée de la grotte. La plupart des animaux figurés sont en mouvement. Ainsi des aurochs, aux pattes très écartées, semblent avancer à vive allure. Un seul détail anatomique peut témoigner du mouvement. Le bison blessé du puits charge. Le peintre a fait basculer la tête sans déplacer le reste de l'encolure. Une vache du diverticule axial est figurée en train de sauter ou de se rouler sur le sol. Parfois, un petit trait ou un point évoque le souffle de l'animal. Peut-être divers groupes ont-ils été peints pour rassembler les allures successives ou les positions différentes du même animal. Les conventions adoptées pour la perspective correspondent à des observations précises de chasseurs. Les cornes des aurochs présentent une double courbure. Ce volume complexe, en forme de lyre, peut être perçu sous des aspects très différents. Au moindre déplacement de l'animal, profil presque absolu avec les cornes parallèles en forme de S, ou bien succession d'une corne en S et d'une corne en C. La vache noire de la nef montre d'autres caractères encore. Les articulations et la musculature sont très finement gravées. Les membres sont séparés par la ligne ventrale et par le poitrail, différenciant ainsi avec précision l'avant et l'arrière-plan. Souvent, c'est grâce à l'interruption du trait ou des aplats de la peinture que les membres se distinguent. Des réserves blanches ménagées dans la surface noire c'est antérieur droit, antérieur gauche et fanon des oraux ou les différents plans dans lesquels se trouvent les membres des bisons. Les parois peintes sont soit très inclinées, soit assez élevées. Les peintres travaillaient près des parois, mais savaient que la vision du visiteur serait plus basse et plus oblique. Des déformations volontaires ont donc été apportées aux figures. Le corps de la première vache du diverticule axial est peint sur une surface concave et en position élevée. Sa forme étirée se reconcentre lorsqu'elle est vue du sol et de biais dans l'axe du couloir. Un des aurocles de la rotonde est lui aussi très étiré. Il redevient normal lorsqu'il est vu dans l'axe de la salle. Dans la rotonde, le petit cheval a été peint avant le grand cheval puisque la ligne de ventre s'arrête juste avant la tête. Et ce grand cheval a été lui-même peint avant l'auroch. La ligne d'échine de l'auroch s'arrête en effet à la tête du cheval et reprend après la crinière. De même, fanon, poitrail et membres antérieurs de l'auroch épargnent le petit cheval qui caracole à ses pieds. Au contraire, la ramure du cerf rouge vient se superposer aux mufles au mufle de l'auroch. Ainsi, ce panneau montre un ordre de composition précis, comme si à la période du cheval avait succédé celle de l'auroch, à celle de l'auroch, celle du cerf. Mais sans qu'on puisse dire si quelques instants, quelques années ou quelques siècles se sont écoulés entre ces différentes peintures, et l'un des aspects les plus étranges de l'art pariétal préhistorique, en effet, et la façon dont certains animaux sont recouverts par d'autres, ou bien parfois s'interpénètrent, ou encore, au contraire, évitent de se superposer. Les superpositions de gravures sont encore plus étranges. Certaines parois de Lascaux, en particulier celles de l'abside, montrent des traits gravés par milliers. Dans ces fouillis se distinguent des animaux complets comme des fragments d'animaux. Des incisions profondes comme des éraflures légères. Des réseaux de lignes comme des traits personnalisés. Des tracés aléatoires comme des signes élaborés. Alaska. Il y a plus de 400 signes peints ou gravés, nombre exceptionnel dans l'art pariétal. Très rectilignes, très doubles parallèles, présents aussi sur des pointes de saguets trouvées dans la grotte. Très multiples emboîtés en chevrons. On les retrouve sur le brûloir du puits. Ils forment parfois des chaînes. Très multiples, regroupés en étoiles. Ces traits sont aussi présents sur une saguée de la grotte. Signes ramiformes droits ou courbes, certains évoquent des plumes ou des éventails, d'autres, aux ramifications courbes, ont été surnommés huttes. Signes quadrangulaires plus d'une cinquantaine à l'Asco. Ce sont des rectangles cloisonnés. Signes composés, ils rassemblent plusieurs figures, traits, croix, bâtonnets et points. Signes groupés, série de traits accrochés ou à barbelure. Très visibles enfin, les groupes ou alignements de gros points. Au fond du diverticule des félins, partie la plus reculée de la caverne, il y a six points rouges alignés. Même groupe de six points, mais noirs, dans le puits derrière le rhinocéros. Ce signe traduit peut-être une limite. Une figure de Lascaux demeure mystérieuse la licorne. Corps massif, queue très courte, robe à ocelles, membres trapus, petite tête au mufle court, une paire de cornes minces et raides. Certains ont cru y reconnaître une antilope du Tibet aux cornes parallèles. On a aussi interprété ces cornes comme la queue de l'auroque qui précède. L'animal pourrait être alors un renne ayant perdu ses cornes. Les femelles du renne portent d'ailleurs des moustures saisonnières. On a vu encore dans cette figure un félin ou un sorcier ayant revêtu une dépouille d'animal. Enfin, un véritable être imaginaire. En effet, plusieurs figures irréelles ou fantastiques ont été relevées dans d'autres grottes. Par ailleurs, bien des animaux de Lascaux ne sont représentés que sous forme fragmentaire. L'animal n'est plus montré, mais seulement suggéré par sa silhouette ou par l'un de ses attributs. Une démarche qui évoque plutôt un acte votif qu'une simple approche artistique. Seul être humain représenté à Lascaux, la silhouette peinte en noir dans la scène du puits. Un bison, blessé par une saguée, perd ses entrailles et la queue hérissée charge ou vient de charger un homme qui tombe à la renverse. L'homme a une tête d'oiseau, un long thorax, des jambes grêles, le sexe dressé. Il écarte les bras, les mains n'ont que quatre doigts. Au dessous, une sorte d'oiseau sur un manche, peut-être le propulseur de la sagaie qui a blessé l'animal. Il existe divers personnages assez proches dans d'autres grottes ornées. Par exemple, les hommes encornés de Gabillou, ou surtout celui qu'on a surnommé le Grand Sorcier de la Grotte des Trois Frères, gravure complexe rehaussée de traits noirs et qui montre un humain coiffé d'une imposante ramure. Il existe aussi quelques scènes opposant un homme et un animal, celle de la grotte de Villa ou encore celle qui est sculptée sur un bloc calcaire du roc de serre. Un homme le semble fuir devant un auroch ou un bœuf musqué. Il faut enfin rattacher la scène de l'homme blessé à ces silhouettes humaines percées de traits qu'on rencontre à Pêche-Merle. À Cougnac, ou encore à la grotte Cosquer. Elles évoquent peut-être une légende ou une expérience commune à toutes ces cultures. Vers la fin du XIXe siècle. Alors que chez les savants triomphent le positivisme et l'anticléricalisme, l'art est interprété comme un pur produit de la passion décorative. Mais très vite l'aspect souterrain et sacré de l'art pariétal est mis en avant. En le comparant avec les productions graphiques des sociétés étudiées par les ethnologues, Salomon Reinhard attribue cet art à la magie. Le sorcier ou le chasseur s'approprie la puissance de l'animal, induit la fécondité des troupeaux par la multiplication des images, ou encore procède à des cérémonies d'envoûtement. Pour l'abbé Breuil, les grottes sont des sanctuaires abritant des cérémonies magiques. Les animaux fléchés correspondraient à une magie de la destruction, les couples d'animaux à une magie de la reproduction. Certaines scènes impliquant des humains à une magie de la chasse. Le thème de la chasse permettrait-on nous d'interpréter bon nombre de signes comme des figurations de saguets, de flèches, de harpons ou de propulseurs? Les signes quadrangulaires seraient des pièges, les signes emboîtés, des stylisations de traces d'animaux ou d'encornures. Dès 1945, Max Raphaël suggère que la proximité entre certains animaux sur les parois a un sens. Les surfaces ornées sont des dispositifs iconographiques organisés en rapport avec le totémisme. La prédominance d'une espèce dans une grotte signerait l'appartenance à un clan. À partir de 1950, Annette laming empraire propose de revenir aux documents archéologiques eux-mêmes. Les sanctuaires profonds montrent des thématiques répétées, comme l'association cheval-bison ou cheval au dont certaines auraient un caractère sexuel. Ces associations symboliseraient les systèmes d'alliances entre groupes ou des alliances matrimoniales. Par exemple, dans le diverticule axial serait représentée l'alliance du clan du bœuf avec celui du cheval. André Leroy-Gourand reprend une partie de ces théories et les développe. Il entreprend une étude statistique et une localisation sur les parois des espèces animales représentées. Certaines, comme les félins ou les rhinocéros, marquent les fonds de grottes. D'autres sont en position centrale, comme les chevaux, les bisons, les aurochs, les cerfs. Il y aurait un thème principal pour chaque grande grotte. Thème édifié sur un couple de base, investi de valeurs sexuelles et accompagné de figures secondaires. À Lascaux, le couple de base serait donc formé par l'association du cheval et de l'auroch, et les figures secondaires seraient le cerf, le bouquetin et le bison. Le roi Gourand a attiré l'attention sur les signaux auxquels il a aussi attribué une valeur sexuelle. Les signes minces seraient des signes mâles, les signes pleins des signes femelles. On aurait donc là un système dualiste sexué à la façon du yin et du yang chinois. Le roi Gouran lui-même a atténué ce symbolisme sexuel au cours des années, s'intéressant plutôt à la grotte comme espace organisé. Les associations d'animaux, leur disposition sur la paroi, leur liaison avec les signes, tous ces caractères participent d'une sorte de syntaxe l'attention des chercheurs après le roi gourand s'est donc tournée vers l'analyse de la communication graphique des lectures des grands panneaux des grottes ont été proposées mais aucune interprétation définitive de ces structures n'a été jusqu'ici possible d'ailleurs les préhistoriens ont fini par se méfier de l'apparente homogénéité des décors nous percevons comme très proches les unes des autres des manifestations graphiques qui s'étalent sur plus de vingt mille ans c'est-à-dire sur des centaines de générations or chaque grotte est différente des autres chacune possède son style et sa propre organisation symbolique autre champ de recherche les territoires et les saisons les chasseurs magdaléniens vivaient de façon semi-nomade, suivant les migrations annuelles de leur gibier, mais revenant sans doute chaque année à leur habitat de base. La vallée de la Vézère, ouverte vers le sud-ouest et offrant à certaines périodes une flore plus tempérée, était une route de migration animale saisonnière vers les montagnes du Massif central. Les nombreux abris de la région correspondent à autant d'habitats de tribus de chasseurs. Les grottes ornées, même proches dans l'espace, ont vraisemblablement correspondu à des ethnies qui, peu à peu, s'étaient différenciées. Style, technique picturale, groupe d'animaux emblématiques, tout était différent, mais les principes religieux d'origine étaient les mêmes. On retrouve néanmoins des parentés entre certains ensembles, ainsi, les signes tectiformes sont communs aux grottes de Font-de-Gaume, des Combarelles, de Rouffignac et de Bernifal. De même, les signes quadrangulaires de Lascaux se retrouvent à Gabillou, à une soixantaine de kilomètres de là, sur la vallée de l'île. La petite cavité de Gabillou a d'ailleurs bien d'autres points communs avec Lascaux, comme le style des chevaux, avec la silhouette caractéristique et même la perspective suggérée par la réserve. Certains signes seraient des marqueurs ethniques, attestant l'appartenance à un clan, une tribu ou un peuple. Et il est vraisemblable que les compositions des grottes rassemblent à la fois des symboles d'intégration à une population donnée et une imagerie plus complexe apparentée à une forme de religion. Peut-être y avait-il pour les visiteurs du sanctuaire de Lascaux un parcours imposé, un rituel, qu'ont conservé presque toutes les religions antiques et actuelles. Et dans ce cas, il serait possible de distinguer plusieurs espaces très différenciés. Un espace ouvert à tous, la rotonde, le diverticule axial. C'est là que se seraient retrouvés les membres d'une même communauté. Familiarisé avec les grandes imageries animalières qu'il déchiffrait panneau après panneau, sous la conduite d'un narrateur, un ancien ou un chaman. Un espace secret, ésotérique, celui de la nef et de l'abside. Les milliers de traits gravés sur la pierre étaient sans cesse à déchiffrer et peut-être à compléter. Le diverticule des félins aurait pu représenter un espace conjuratoire réservé à certains degrés d'initiation. Il n'est possible de s'y rendre que seul ou en tout petit groupe, en rampant, pour aller y déchiffrer ou y inscrire quelques signes. Dernier espace, le puits. Lors de la découverte de la grotte, le puits était tapissé de lampes. Et on a trouvé là aussi, outre le brûloir de grès rose, des pointes de saguet et des lamelles de silex. C'était peut-être une sorte de crypte, un espace secret et réservé où des objets votifs étaient déposés. l'espace sonore les résonances sont jouées aussi et il faut imaginer que les cérémonies ou les visites s'accompagnaient de musique de chants de danses de psalmodies de déclamations l'aspect viscéral animal ou sexuel de ces volumes souterrains n'a pu que frapper les imaginations il est probable qu'un rapport symbolique puissant s'est établi entre les croyances des peuples paléolithiques et les architectures profondes, les successions de salles, les reliefs évocateurs de la pierre. Les ombres mouvantes provoquées par les torches devaient ajouter une dimension hallucinatoire à des espaces déjà perçus comme appartenant à un autre monde, un monde de ténèbres opposé au monde de lumière de l'extérieur. Les peintures rupestres ont été associées par plusieurs auteurs au chamanisme. Chez les boshimans d'Afrique du Sud, par exemple, le chaman, au cours d'une cérémonie, passe à l'état de transe, peut-être sous l'influence de drogues hallucinogènes. Il est dit qu'il voyage dans d'autres mondes, celui des morts ou celui des esprits animaux, qui lui confère le pouvoir de guérir ou lui apporte des chasses abondantes. Cette culture chamanique se retrouve chez les Indiens d'Amérique et les peuples de Sibérie. Pour certains, l'homme du puits serait un chaman au moment d'une transe extatique survenant après un sacrifice animal il est déguisé avec un masque d'oiseau et porterait un bâton surmonté de la même tête d'oiseau pour les hommes du paléolithique le voyage sous terre dans les ténèbres le périple dans les profondeurs aurait pu être une façon de revivre cette expérience et de faire renaître ses visions les hommes croyaient peut-être que les animaux qu'ils peignaient existaient derrière la surface rocheuse voile tendue entre leur monde et celui des esprits de même, les méandres, les tracés indéterminés couvrant certaines parois figuraient peut-être une sorte de cosmos originel d'où sortaient peu à peu les animaux. Une caverne ornée est donc une construction symbolique contenant des messages à plusieurs niveaux de lecture. Quels peuvent donc bien être ces messages Sont-ils même déchiffrables Les grottes sont des lieux sacrés, secrets. Les figures et les signes qu'elles contiennent se rapportent donc aux histoires sacrées ou initiatiques que véhicule la tradition orale des peuples, c'est-à-dire aux mythes. Et en effet, dans toutes les sociétés sans écriture, l'art est indissociable des mythes fondamentaux. Le mythe apparaît sous forme de récits légendaires ou d'images mettant en scène des hommes, des animaux ou des êtres fabuleux. C'est une histoire qui permet de raconter les origines du soleil, des étoiles, de la terre ou des hommes, et de résoudre les contradictions existentielles de la communauté, entre le ciel et la terre, entre le jour et la nuit entre les animaux et les humains, entre les hommes et les femmes, entre la vie et la mort. D'où le système d'opposition de entre deux animaux et la présence de médiateurs. Les grottes étaient des réservoirs de mythes, et aussi sans doute des réservoirs d'images propres à inspirer la décoration de tous les objets de la vie quotidienne. L'image sert de base à ces récits mythiques, raconte les conflits et leurs résolutions, et conserve pour l'avenir les réponses aux questions sans lesquelles l'identité du groupe ne saurait être sauvegardée. Il n'est pas possible de déchiffrer plus avant ces mythes qui ne pourraient se comprendre qu'accompagnés des récits oraux. Tout au plus peut-on deviner certains. Impossible pour l'homme préhistorique de ne pas se percevoir dans une relation en miroir avec l'animal ou même animal lui-même. Les grands ancêtres évoqués par les mythes du monde sont toujours des animaux. Comme dans la plupart des traditions orales des peuples chasseurs, les mythes racontés sur les parois sont peut-être des récits de ces temps anciens où l'homme et les animaux n'étaient pas encore distincts.